Et yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog au local, comme d'habitude. Il n'y a rien qui change. Si, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Comme vous allez le voir dans quelques instants, Flo, Virgile, ils ont tourné quelques plans parce qu'ils ont reçu la petite pièce qui nous manquait pour finir le bloc. J'aurais pu utiliser l'intro que vous avez fait, mais le problème c'est que ça fait des raccords et c'est compliqué. Donc là maintenant tout de suite, je vous mets les plans qu'ont tourné Flo et Virgile. Et on a une bonne nouvelle. Très, 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 très
rien. Bon, après, je suis assez au milieu, mais... T'es jamais assis au milieu, vu que normalement, là, il y a les sièges que... avant, mais... Putain. Il a fait ça bien, hein. Regardez, il est en train de bricoler derrière. Elle est belle ton auto. Ah. Encore, je suis pas fini. Ouais, ouais, c'est pas ton taf, mais t'as fait ça. T'as fait ça comme un dieu, frérot. On valide. On valide fort. Savoir. T'as trouvé ton petit trait de... Ouais, regarde là dans le trou. Tu vois, il y a une petite fente là. Ah! Il y a un tout petit trait juste là. Mais là, en fait, ça compte. Pas du bon coin. Ouais, si... bah en fait, je crois qu'on voit. Attends, je vais mettre le flash un peu mieux. Ouais, c'est compliqué à voir. C'est... Alors, j'essaye de faire le focus juste là. Ouais, vous l'avez vu là, quelques instants. Parce qu'en fait, la caméra elle a du mal à détecter. C'est vraiment sous l'ongle de Virgile. Oh l'enfer. Ouais, voilà. Bah, bref. Le du dessus. Hein. Ouais, on va regarder. Ouais, vous voyez, au bout de la tige, là, il y a un trait, voilà, on le voit bien. Et du coup, ça sert à quoi, ça, Virgile ? Ça, c'est pour aligner le... Pour mettre l'arbre à cam au PMH, il faut qu'il soit aligné avec la rampe d'huile. D'accord. Du coup, ça correspond aussi au fait que ça, se soit aligné avec le bouchon là, et que ça soit aligné avec la poulie en bas. Maintenant, il reste juste à vérifier en bas. Sauf que, bah, du coup, il faut que je remonte les caches pour vérifier. Donc, t'as aligné donc le trait... Ouais. S'aligne avec ça. En gros, faut que ça, ce soit... Ouais, tout soit aligné. Moi, je me suis basé sur ce point-là, mais c'est la même chose que le trait. D'accord. Sauf que le trait, tu l'alignes là. Et du coup, normalement, le point, il est censé s'aligner avec le vilebrequin. D'accord. Ça fait à peu près droit, là. Et après, j'ai un repère là, le petit trait qui est juste là. Ouais. Aligné avec le guide du galet qu'il y a devant, là, pour la courroie. D'accord. Donc là, on est bon. Normalement, en haut, on est bon, en tout cas. En bas, je sais pas. Ok. Après, faut que je regarde pour l'allumage, du coup. Ok bébé. Bon, tu nous fais quoi là? On va cacher les vis. On va cacher les vis. Bon, en fait, vous êtes nombreux à nous en avoir parlé en commentaire. Mais c'était prévu. Mais c'était déjà prévu, voilà. J'attendais juste à recevoir. Mais au moins ceux qui. Les petits bordels. Qui là. Voilà. Et en fait, du coup, on a donc les caches pour les vis, comme ça, on les verra plus comme ça là. On vous écoute, mais on avait déjà prévu. Bon, du coup, là, mon virgule, il nous reste quoi, mon pays ? On montre rien ? Les escaliers. Les escaliers, on monte les escaliers, on monte les meubles Ikea. Mmh, on monte les meubles. Et on monte... Et à défaut, on démonte... Du coup, il nous reste quoi à monter ? Là, on va mettre volant moteur, embrayage, boîte... Démarreur, poulie de pompe à eau, l'éco-roue, l'alternateur et carter. Ce sera déjà pas mal. Et support moteur. Ouais. Et après, il ne nous restera plus qu'à mettre les collecteurs et tout. Bah, le collecteur d'échappement, on va le mettre maintenant parce que, enfin après. Mais on va le mettre avant de le remettre dedans parce que ça va être inaccessible sinon. Pour le serrage en tout cas et pour bien positionner les joints, l'admission c'est différent, le bloc il est couché comme ça. Donc, enfin il est comme ça, donc on peut mettre l'admission comme ça, mais l'échappement on a le côté qui casse les couilles. Si. Comment ça, on pourrait pas le serrer ? Et comment on fait l'échappement ? On fait comme on a toujours fait. Et comment on a toujours fait ? Qu'est-ce que je vais faire de toi, mec ? Go! Oh merde. Bon, du coup, on doit commencer à monter ce putain de... 33 tours. 33 tours, ouais. C'est un disque de Johnny. Voilà. C'est du métal. Du métal. Un peu léger. Du métal.
brut. Du métal brut. Et ça, Flo, il pourra pas le nettoyer. Ça, Flo, il pourra pas voir si c'est chrome ou pas. Si, on va toujours nettoyer. On va mettre du PEC dans le moteur. On va mettre du PEC citron dans la boîte. En fait, on s'est mis comme ça, mais vous nous voyez pas. Ah là, vous allez nous voir. Elle a des rayures, hein, déjà. Elle a déjà rayé. Ouais, sa 12e cette année, une par mois. Bon, les amis, petit coup dur pour l'équipe du Midnight Society. L'équipe française vient de prendre un but à la 90e. En gros, tout était bon jusqu'à ce qu'on se rende compte que l'embrayage ne passe pas sur le volant moteur allégé. Donc, nous, on va continuer à bricoler off-cam. Mais là, du coup, ça va pas trop avancer, ça va vraiment être des bricoles. Donc, du coup, on fait une petite pause. Bon, du coup, j'espère quand même que vous avez passé un bon moment avec nous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Surtout, si vous voulez participer à la chaîne YouTube et nous aider, comme d'hab, passez sur le site de Yamamichi Univers, jetez un œil à ce qui vous plaît. Il y a nos stickers qui sont en vente. C'est pas grand-chose pour vous et c'est tellement pour nous. Nous, on en a fini pour aujourd'hui. On vous fait un gros bisou. Pas plus vite qu'à fond. Mais... pas trop quand même. Tu cutteras juste après le petit démontage. Tu as technical difficulties.